Ok yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Semco, comment tu vas? Ça va et toi le sein? Bah franchement ça va Semco, en plus aujourd'hui on se retrouve pour un défi qui m'a été demandé dans la dernière vidéo, ou je sais plus si c'était la dernière mais c'était une des dernières vidéos. Est-ce que tu sais ce que c'est le défi? Non. Ok je t'explique. Récemment sur ma chaîne secondaire, j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'essaye de jouer avec des trucs de la TH qui sont enlevés. Par exemple, quand vous allez dans vos paramètres, ici interface de jeu, vous avez plein de choses et si vous le désactivez, bah forcément ils seront plus en game. Par exemple, vous pouvez désactiver votre viseur et du coup vous aurez plus votre viseur en game. Donc sur ma chaîne secondaire j'en ai fait plein, mais j'ai eu une proposition qui est de faire top 1 mais sans voir la mini carte et du coup sans voir notre carte tout simplement. Donc en fait ça veut dire on ne saura pas où se déplace la zone. En fait tu le dis mais on va faire une strat curée, c'est ce que t'es en train de dire. Bah du coup c'est un peu ça, parce que imagine, regarde, je vous mets en contexte. Imaginez avec Semco on va spawn à Rocky Hills. C'est milieu de map, ça paraît être bon bail parce que du coup on est presque sûr d'avoir la première zone, mais ça veut dire qu'une fois que c'est la troisième zone, si jamais elle est à Lustros Lagoon, nous on le sait pas. Et le seul moment où on le saura c'est lorsqu'elle arrivera vers nous et qu'on verra vers où elle se dirige. Donc je pense que dans notre stuff Semco, on va devoir prévoir plein de soins blancs parce que sinon on va avoir la zone aux fesses. Ouais bah écoute Semco, si t'as pas de questions je te propose qu'on y aille. C'est parti. Comme d'habitude pendant que votre game se lance, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique et à mettre le code ZFAR, c'est comme la chaîne, Z-E-T-F-A-R, majuscule ou pas c'est pareil. Et puis sur ce, on est parti. Mais juste avant qu'on parte en vidéo, laissez-moi vous parler de Genshin Impact. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'action RPG en monde ouvert auquel tout le monde joue en ce moment. Et d'ailleurs il contient des paysages qui sont vraiment incroyables. D'ailleurs ça a été le jeu le plus tweeté en 2020 et 2021. Dans Genshin Impact, vous arriverez dans un vaste monde magique et votre aventure commencera dans le désert et l'oasis du continent de Teyvat. Le monde de Teyvat contient 7 régions uniques que vous pouvez explorer et découvrir. Et croyez-moi, pour tout découvrir, vous en aurez pour un petit temps. Chaque région a sa propre culture, son style d'architecture et des vêtements qui s'accordent aux différentes coutumes et aux personnages nationaux. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool. D'ailleurs, Genshin dévoile son énorme mise à jour 3.1 et célèbre son deuxième anniversaire avec une nouvelle région, le désert de Sumeru. Mais c'est pas tout, il y a également des nouveaux personnages qui sont beaucoup trop stylés, qui font leur apparition dans le jeu. Il y a Sino, le juge des secrets, un électro qui est 5 étoiles, qui est très fort en combat et qui fait appel à un esprit divin pour venir l'habiter. Et en plus de ça, Sino, c'est mon personnage préféré, déjà parce que je trouve le personnage vraiment badass et en plus de ça, c'est vraiment incroyable comment il se bat avec son bâton. On a Candace, c'est un personnage hydro 4 étoiles. En combat, elle se bat avec sa lance et son bouclier. Et enfin, on a Nilou, c'est un personnage hydro 5 étoiles. Son style de combat, il est plus axé sur la danse, il utilise des compétences très élégantes. Donc, avec cette mise à jour, c'est le moment de foncer sur Genshin Impact. Pour y accéder, vous pouvez soit scanner le QR code, soit retrouver tous les liens de téléchargement du jeu en description. Vous avez également un code qui s'affiche à l'écran pour recevoir des récompenses. Et sur ce, on est parti en vidéo. Pour cette fois, la dernière fois, tu me reprochais que je mettais pas assez Petula. Mais comme Petula, elle est un peu costaud sur les bords, tu vois. Je me suis dit, je préfère mettre les super-héros. Mais regarde, regarde mon super-héros, tu vois. Avec le super-héros, il y a toujours une petite pensée à Petula. Et ça, c'est beau. Ah, il y a une pensée pour Petula, et franchement. Eh, en vrai, c'est le sang Petula, mais tu vois, j'aime bien quand elle est dans le casier quand même. Parce que bon, on peut pas dire qu'elle prend peu de place, quoi, sur l'écran. Bon, du coup, Semco, comme tu le vois, enfin, je pense que tu l'as fait, j'ai retiré ma minimap. Je t'invite à le faire aussi. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi aller dans tes paramètres tout de suite et tu vas retirer ta touche de carte. Donc là, moi, c'est gauche. Et donc, je vais faire non attribué. Hop, effacé. J'ai déjà fait. Voilà. Et maintenant, je fais retour. Allez, on saute. Tu veux qu'on aille où? Bah, tapping Lustros Lagoon. Ah oui, du coup, merde, on peut pas aller sur la carte. Oh la sauce. Bah, Lustros Lagoon, comment ça? Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ouais, mais c'était pas volontaire. Bah, mec, au pire, on s'en fout, on peut rota avec le vent. Attends, viens, arrête de pique. Viens, on va là. Juste derrière? Vas-y. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a personne à Lustros Lagoon. Ok, bah go Lustros. Par contre, c'est la merde parce que Lustros, c'est quand même un peu excentré. Si la zone arrive, on va dans la merde. Oui, mais on a le vent, on peut partir. Ah ouais, bien vu, y'a ça. Puis. Quoi? Pourquoi tu parles plus? Bah, j'ai rien à te dire. Ouais, comment ça, t'as rien à me dire? Ah, ok, j'avoue, j'ai des choses à te dire. Devine quoi? Je sais pas. Il fait chaud, voilà, j'ai chaud. Et t'habites où pour qu'il fasse chaud? Au pôle sud. Ah oui, parce qu'au pôle nord il fait froid, au pôle sud il fait chaud, c'est ça. Exactement. Parce que sud-nord, voilà, exactement. Mais ouais, c'est bah le pôle sud de la France, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ça fait bizarre de loot normalement. Ah oui, d'ailleurs, parce que Semco il dit ça fait bizarre de se loot normalement. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Semco a sorti une vidéo sur sa chaîne. On a essayé de faire top 1, on devait se looter qu'avec les arbres qu'on peut casser et du coup qu'on peut faire rouler. C'était une galère. Ah ouais, c'était une galère, mais ça va. Ça va et ça verra. D'ailleurs, le chat, vous pouvez retrouver la chaîne de Semco en description. Je sais que vous êtes souvent à me la demander. Bah, tu sais quoi, pour le chat, je vais faire un débat. Un défi parallèle, je vais juste jouer avec l'arme Evochrome en AR et je dois l'avoir au moins en or à la fin de la game. Vas-y, ça marche. Sinon, les abonnés ils ont le droit de dire que je suis une zouzou. Attends, mais en fait, soyons logiques, là, Semco, à tout moment, la zone. Merde. Oula, oula, oula. Ah oui, j'ai plus la carte. Oula, ça commence à appuyer sur toutes les touches parce que je trouvais plus la carte. Bah, le truc, c'est que la zone elle part dans 2 minutes, moi samedi. Ouais, 2 minutes, on le sait ça, mais on sait pas où elle va. Part. Bah voilà. C'est génial. D'ailleurs, les abonnés, je voulais vous dire quelque chose. J'ai rentré récemment le clip de ma vie sur Fortnite. Mais vraiment, sans déconner, c'était le clip de ma vie. J'ai tenté une balle de sniper et ça a noscope un mec dans les airs. Bon, c'était qu'à 20 mètres, certes, mais c'était dans la tête et en noscope. Bah, tu sais quoi, Noluz? Je te laisse afficher le clip maintenant. Yo, I ain't here for money, I ain't here for fame.
Je t'ai doscope. Voilà, c'était un petite mi-temps dans la vidéo, mais je trouvais ça marrant de vous le montrer. Moi, je suis partisan du « il faut que tu le mettes sur TikTok ». Allez, bah c'est mis sur TikTok. Vous savez quoi? En plus, le TikTok, il sera en deuxième ligne de description. Ou un peu plus bas, mais il sera en description. Et moi, je pense que les abonnés, ce qu'ils peuvent faire, c'est ils mettent tous pause la vidéo, ils vont tous voir le TikTok, comme ça, ça la met bien en avant, tu vois. Et comme ça, il y a encore plus de monde qui le voit. Et ça, c'est génial. Qu'ils le voient ou qu'ils le voient. C'est pareil, on parle pas français ici. Bon, dans 56 secondes, il y a la zone qui part. Pour l'instant, on a encore du répit. Mais le truc là, c'est qu'on a aucun indice pour savoir où on doit aller, tu vois. Faut forcément attendre la zone. Bah oui, mais à partir du moment où en fait elle t'arrive dans les fesses, faut voir de où elle t'est arrivée dans les fesses et où elle va. Hésite pas à bien farmer parce que ça va nous être utile. Et on a toujours pas de clé, c'est chiant ça. J'essaie de trouver ça au plus vite. Ça me fait rire, tu dis ça comme si c'était un papier que tu cherchais dans ton tiroir, quoi. Bah c'est un peu ça, y a des clés cachées dans toute la ville et il faut les trouver. Semko, t'as tryhard, t'es niveau 41. L'autre il m'a dit dans 10 jours je suis niveau 200. Oh oui, c'est l'objectif. Par contre, pourquoi mon écran il tremble comme ça? C'est quand t'es dans l'eau. Ah non, c'est moi qui étais dans l'eau. What mec? Mon écran il tremble. Attends, je vais me suicider, tu vas me réanimer, d'accord? Peut-être que ça va s'estomper. Parce que là c'est relou. T'es prêt? Ouais. Vas-y, tu me réas. T'es sûr? Ouais. Bah non, mais ça l'enlève pas, je l'ai toujours. T'es content ou pas? Ah, j'ai le seum. Au pire, attends, tu me laisses mourir. Oh, y'a la zone, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu qui me plaît. Tu sais quoi? Prends-moi et balance-moi d'en haut. Et tu me résovan. En plus, c'est vrai qu'il y a la zone, on sait pas où elle va. Oh, c'est la sauce. Oh, la maxi sauce, Semko. Mais pourquoi en plus il faut qu'on se tape un bug pendant le défi? C'est génial, c'est génial. Vas-y, grouille. Comment t'écris grouille? Trop compliqué, trop compliqué. G-R-rouille. Voilà. Voilà, bah nickel. Qui? Minage? Oh non, mais t'as pris zéro dégâts. Bah ça y est, attends, par contre, boxe-moi, parce que là, vu que je vais mourir, faut que mon stuff il soit à un endroit précis. Si t'es un homme, tu me laisses tout dans la box et tu prends rien par la carte. Vas-y, je prends R, je prends rien. Regarde, okay. Tu sais quoi, je me mets là. Oh mec, on est dans la sauce. Mon écran il tremble encore. Ah non, c'est bon. Ah bah c'est mieux comme ça. Ah, par contre, s'il y a des gens qui te jouent maintenant, comment j'aurai le démon? Attends, il est. Oh putain, j'ai le bug de l'eau. C'est quoi le bug de l'eau? Bah là, je peux pas sauter ni rien. Genre, je suis statique et ça fait. Ça tremble en gros. Ah, c'est génial. Non, c'est pas génial. Non. Allez, t'es le boss, merci. T'inquiète, le sang. Non, par contre, il y aura une petite taxe à la fin, tu vas devoir me donner un peu de build. Ah, mais t'as pas dit qu'il allait avoir une taxe? C'est comme l'URSSAF, frérot. C'est comme l'URSSAF, on te dit tu peux créer ton entreprise, mais après l'URSSAF ils viennent bien te raqueter. Non, mais en vrai, je suis un bon, je te prends que 65%, ok? Ah, t'as pris mes balles d'air? J'en ai 360. Oui, bah j'en ai 30, après, donc. J'ai pris ta plaque aussi, c'est pour ça, c'était sur le chemin, j'ai pas fait exprès. Je t'ai réanimé, donc c'est déjà ça. Attends, et mes maths? Semko, oh, y a la zone qui arrive, vite, prends le vent, on a pas fait gaffe. J'avais beaucoup, voilà, nickel, tu gères, vas-y, go. Oh mec, j'ai l'impression qu'elle. Oh, attends, ça va, elle s'arrête dans 20 secondes. Donc je pense qu'on est pas si loin. Par contre, j'ai encore mon écran qui tremble. Les abonnés, à la fin de la vidéo, ils vont danser la tectonique. Ils vont danser la tectonique, il a dit. Moi, je te propose, on aille, c'est où? C'est là, et on va casser les fesses aux bottes. Comme ça, non seulement mon défi de l'arme lège, c'est bon, mais en plus de ça, j'ai l'arme mythique. Vas-y. On me dit dans l'oreille que je suis un tricheur. Ah bon? Wesh, elle danse la salsa. Qui? La dame. Viens voir. Elle est pas contente. Viens, l'arrache, vite. Non, viens sur l'avant-poste. Oh, mais elle a pas dit en fait. Après, elle va invoquer ses loups. Ok, elle a 1 HP, tue ses loups et après on la tue. Voilà, vas-y, prends l'arme. Oh, je me suis jeté dessus. Oh, mais t'inquiète, j'allais te la laisser, tu la voulais. Celle-là, si tu veux, elle est bientôt améliorée. Bah, non, en vrai, je fais mon défi jusqu'au bout et prends celle-là. Oh, viens, on rush un peu. Il y a des blobs. Ils ont le high. Là-haut, monte. À terre. Bien joué, celle de la Warbox. Y'a son mec, enfin, y'a son mec, y'a son pote en bas plutôt. Comment ça, frérot? Comment ça, mon ref? Bien joué. Par contre, attends, faut juste qu'on soit attentif. Regarde, elle est où la zone? Quand on venait du volcan, la zone elle était dans notre dos. Et là, elle avance, mais elle avance pas très vite. Donc je pense qu'on est lisière de zone. On peut quand même dire qu'on a eu de la chance pour ce premier épisode parce que voilà, je vous le dis. Si cette vidéo atteint combien de likes, on fait un épisode 2, Semko? 10 000. T'es gentil, normalement ils vont le faire, 10 000. Moi franchement, je propose 15 000 likes, on fait un épisode 2. Vas-y, 15 000. Fais gaffe derrière toi. Moins 100. Attends, tu sais quoi, je le spam quand même, Zazin. Vas-y, spam le. Nice. Laisse-moi le finir. Nickel. Oh, la zone elle arrive. En vrai, elle doit pas être loin parce qu'elle avance pas vite. Ok. Vas-y, viens. Ah, c'est vrai, j'ai déjà une couronne. Bah oui, on est des mecs qui faisons beaucoup de top 1. Only top 1, pour tout dire. Ce soir, Zetfar, j'ai 3 hâte, je mange au McDonald's. Oh là là. Toi, t'es là, team quoi au McDo? Moi, je suis team Nuggets. Moi, au McDo, je suis team Nuggets aussi. Ouais, Nuggets. Tu veux, je t'explique une anecdote? J'étais deg. Vas-y, dis-moi. Tu vois, quand. En fait, j'aime bien ce qui est épicé et tout. Mais quand je vais au KFC, je préfère prendre des tenders normaux parce que c'est trop bon. Ah ouais, les autres, ça fout droit la bouche. Hein, bah, ça fout droit la bouche, c'est pas mauvais, mais ça fout droit et t'as pas envie de ça en fait. Tu t'as envie de manger des bons trucs. Ouais, voilà. Et bah, je vais là-bas, je demande des tenders normaux. Qu'est-ce qu'ils me donnent? Des trucs qui arrachent la bouche. J'étais trop dégoûté. Ah, j'étais deg. Mais surtout que pour se tromper, faut le faire. Parce que les tenders, c'est beau et tout. Que les spicy, c'est vraiment un bout d'os avec un pauvre bout de viande et du piment, quoi. Exactement. Ah, y'a des mecs sur moi, viens. Faut qu'on fasse top 1. C'est un bot. Oh, j'ai failli le noscope. Attends, laisse-moi le tuer, s'il te plaît. Attends, je vais essayer le noscope vite fait. Vas-y, noscope. Attends, j'essaye encore.
Ah, ok. Elle est quoi ton arme là? Bon, bientôt l'ai-je, donc je pense que le défi est amplement réussi. Bah écoute, je pense qu'on peut pour l'instant dire qu'on a eu beaucoup de chance sur la zone, parce qu'au final, bah on a spawn au volcan, on est presque encore au volcan, et la zone est encore sur nous. C'est pour ça que je disais que si on fait un épisode 2, on aura peut-être pas autant de chance, et peut-être qu'en spawnant au volcan, on aura la zone qui se terminera à Grazy Grove. C'est bon, je l'enlège. Tu l'enlèges? Let's go. Ouais. Vas-y, viens, essaie de faire les derniers kills. Alors lui, je vais lui arracher. Vas-y, vas-y, on ghost spam à deux mecs. 23 blancs, 3 fois. Tu veux qu'ils dansent la Macarena ou pas? Non, pas besoin. Je pense qu'ils ont déjà assez mal aux fesses. Tu penses? Oh là là. Uniquement à l'air, hein. Oh, je l'ai en gold. Ça va faire trop. Il y en a un deuxième gold. Là, il y a un mec qui... Attends, la zone, elle est là, donc viens, viens, viens. Y'a où le bug? Là. Juste là, là. T'es prêt? Vas-y, gold spam. Ah, lui, je suis en dessous. Il a deux. Il est où? A terre. Mec, on est déjà plus que 6. Semko, tu t'es pris une balle. Allo, allo. Tu t'es pris une balle. J'ai pris une datane. Je cours en zone. Vas-y, cours. Putain, mais ça me tend. Je sais pas où est-ce que je peux me poser en zone. Je sais pas si on est en zone en fait. C'est ça le problème. Crac. 78 blancs. A terre, mort. C'est bon. Bah écoute, Semko. Bah, on sait pas si c'est un 2v2. C'est peut-être un 2v1v1. Si, 2v2, ils sont là. Ok, c'est les derniers. Et là, on sait pas si on a la zone ou s'ils l'ont. Bah, ah, c'est le problème. Infâme, par contre. Tu sais quoi, je fais diversion, je cours sur eux, ok. D'accord, vas-y. Si tu veux, les derniers, on peut essayer de leur faire danser la Macarena. Ouais, vas-y, si tu veux. Hein. Tu penses qu'ils m'ont vu là ou pas? Bah, je pense pas. Ils sont plus là? Ah, ouais, ils sont là. Bon, je pense que la zone, elle doit être là-bas, viens, on les suit. Ah, ouais, c'est vrai. Ils vont voir deux mecs sous un zénith arriver, ils vont bégayer. Ah, ils sont là, box. Ils sont box. Vas-y, fonce-leur de bloc la voiture. Vas-y, fonce. Ah. Oh lolo! Attends, il va danser la Macarena, you. Il est là derrière. Je prends le high, you. Là derrière toi? Ouais, fais gaffe, je vais leur faire danser la Macarena. Si tu vois une ouverture ou une brèche, tu me dis. Je les ai mis low normalement. Go tout casser, vas-y casse. Là. Moins 130. Box. Box. Mort, voilà, ça c'est du travail d'équipe. Vas-y casse tout. C'est bon. Là. Go le faire danser. Le tue pas, il va encore danser. T'aurais dû le box. Attends, je vais faire danser encore. Le tue pas. Il a deux. Il danse. À la pioche, t'es prêt? Vas-y, la pioche. Non. Là. Voilà. Let's go. Nice. Oh là là. Allez hop, moi aussi je danse. Ah, ça fait plaisir. Encore un top 1. On enchaîne les top 1, on enchaîne, c'est bien. Et bah écoutez, j'espère que ce petit défi vous aura plu. Je le trouvais vraiment sympa, on l'a réussi du premier coup parce qu'on a eu pas mal de chance. La zone s'est terminée proche de là où on a spawn. Mais peut-être que dans les prochains épisodes, ce sera pas le cas. En tout cas, je vous le répète, 15 000 likes et on fait un épisode 2. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao.